Natalia Bugash-Wolfram est polonaise, mais elle vit en Allemagne depuis 8 ans. Elle est politologue. Tous les ans, à Pâques, elle reproduit à Berlin un rite polonais qui lui rappelle son pays natal. Je m'appelle Natalia, je suis polonaise et je vis à Berlin depuis 8 ans. Le samedi avant Pâques, je prépare un panier typiquement polonais, le panier de Pâques. Im Osterkorb befindet sich bereits ein Tuch, ein Spitzentuch. Dans le fond, hat meine Oma, il y a une dentelle de ma grand-mère, Ostereier, selbst gemalt, des œufs de Pâques polonais peints à la main, Meerrettich und du Réfort et du sel. Ich brauche aber noch mehr. Und zwar, il faut aussi ein Stück Brot, un morceau de pain, das steht für Körper c'est pour Christi, le corps du Christ, ein Stück Kuchen, un bout de gâteau, der muss übrigens unbedingt impérativement selbst gemacht fait sein, maison, der steht für menschliche ça symbolise Fähigkeit. Les capacités humaines, und ein Stück Wurst et un morceau de saucisse pour, Fruchtbarkeit und pour la fécondité et le confort. Zum Schluss nehme ich noch ein, enfin, eine kleine Lammfigur, je mets un petit agneau au milieu du panier und wenn alles drin ist, dekoriere et quand ich tout das est prêt, je le décore avec des feuilles d'érelle, c'est plus joli. Wenn mein Korb fertig ist, quand c'est fini, gehe ich mit ihm je l'emporte à l'église polonaise de Kreuzberg, à Berlin, pour le faire bénir. Ich werde auf der Straße parfois, les gens me regardent bizarrement dans la rue. Ils se demandent ce qu'il y a dans mon panier. Aber wenn ich schon in der polnischen Mais Kirche à l'église polonaise, bin, bin je ne suis plus seule avec le panier. Dort treffen sich viele polnische plein de Polonais Familien s'y retrouvent um gemeinsam pour fêter Pâques ensemble zu genießen. Et dans la dignité.